Cette église est une église vivante. Cette église est une église forte, mais c'est une église ciblée. À l'heure actuelle, le diable a ses yeux fixés sur cette église du Burkina. Et le diable utilise toutes ses stratégies pour abattre cette église. Mais vous savez quoi? Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui ne dort pas, un Dieu qui ne somnole pas. Beaucoup de villages n'ont plus de chrétiens parce que ces gens alors tuent sans pitié, ils égorgent et décapitent, alors et sans pitié, ils enlèvent la vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, surtout au nord, vous allez trouver des villages sans population, mais avec des églises arrêtées toujours, mais vides, parce que les chrétiens aussi sont partis. Là où ils se retrouvent, l'évangile continue à être prêché. Les gens n'ont pas peur de partager Christ. Ils ne se lassent pas de parler de Christ, de parler de son amour, de parler de sa grâce. L'Église a dit, écoutez, donnez ce que vous avez et nous allons essayer de voir comment est-ce que nous allons aider, qu'ils ont fait avec les déplacés. L'Église a essayé de prendre le peu qu'ils ont, donner de leurs vêtements, de leurs chaussures, de ce qu'ils ont, le peu qu'ils ont, pour qu'on puisse aider aussi quand même les déplacés. Malgré soit les problèmes qui nous entourent, malgré soit les épreuves, malgré soit la mort, malgré soit la persécution, Christ est à nos côtés et il nous dit, vous n'êtes pas seul, je suis avec vous et je reviens bientôt.